Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la partie des puissances. Donc vous avez déjà vu ça l'année dernière, vous avez traité les différentes propriétés de la racine. Cette année-là c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci on va utiliser les cas pratiques mais en utilisant la racine carrée d'un nombre. Donc on rappelle qu'un nombre a la puissance 0 avec la condition que ce nombre est non nul. Donc pour un nombre non nul, a à la puissance 0 égale à a. Et on rappelle qu'un nombre à la puissance n n'est autre que a multiplié par lui-même n fois. Alors, commençons donc cette partie-là. Et prenons à titre d'exemple la racine de 3 à la puissance 2 multiplié par la racine de 3 à la puissance 3. Donc on sait qu'un nombre élevé a une puissance, dans ce cas-là la puissance 2, donc la racine de 3 n'est autre que le produit des mêmes deux fois. Donc c'est la racine de 3 multipliée par la racine de 3. Et pour la racine de 3 au cube, donc ce n'est autre que le produit de la racine de 3 par elle-même, 3 fois. Et si donc on fait le compte, la racine de 3 est multipliée par elle-même 5 fois. Et donc on peut écrire ceci sous une puissance, et ça nous donne la racine de 3 élevée à la puissance 5. Et donc si on veut trouver une relation entre l'exposant 5 qu'on a obtenu avec les deux premiers exposants, on peut dire que 5 et en fait la somme de 2 est 3. Et donc si on veut généraliser ceci, donc prenons un nombre quelconque non nul, donc a est différent de 0, on peut dire que a à la puissance n multiplié par a à la puissance n n'est autre que a à la puissance n plus n. Et donc, pour redire ceci bien comme il le faut, si on a le produit de deux nombres qui ont la même base et qui ont deux exposants qui sont différents, ce produit-là égale à la base élevée à la puissance n plus n. Passons au deuxième cas. Supposons là, cette fois-ci, qu'on a la racine de 3 à la puissance 3 divisée par la racine de 3 à la puissance 2. De même, la racine de 3 élevée à la puissance 3 n'est autre que la racine de 3 multipliée par la racine de 3 multipliée par la racine de 3 divisée par la racine de 3 multipliée par la racine de 3. Donc on peut remarquer qu'on a un quotient avec un numérateur qui contient un produit et le dénominateur qui contient un autre produit. Et donc on peut simplifier les deux. On peut simplifier racine de 3 avec racine de 3, racine de 3 avec racine de 3. Et ce qu'on va obtenir est la racine de 3, qui est égale à la racine de 3 élevée à la puissance 1. Et donc, si on veut essayer de trouver une relation entre l'exposant qu'on a obtenu avec les exposants qu'on a au cube, on peut remarquer que 1 est la différence de 3 et 2. Et donc, de même, si on veut généraliser ceci, pour un nombre a non nul, si on a a à la puissance n sur a à la puissance n, ceci peut s'écrire sous la forme a à la puissance n moins n. Et donc, si on a un quotient de deux nombres qui ont la même base, ceci va être égal à la même base élevée à la puissance n moins n. Et c'est ma deuxième propriété. Passons à la troisième. Cette fois-ci, supposons que l'on a la racine de 3 à la puissance 2, le tout élevé à la puissance 3. Donc, ce qui est à l'intérieur est à la puissance 3. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur va être multiplié par lui-même 3 fois. Donc c'est la racine de 3 au carré fois la racine de 3 au carré fois la racine de 3 au carré.
Et on sait que la racine de 3 au carré n'est autre que le produit de la racine de 3 par la racine de 3. De même pour les deux qui suivent, pardon, multiplié par la racine de 3, multiplié par la racine de 3. Et donc, on remarque que la racine de 3 est multipliée par elle-même 6 fois. Et donc, on peut écrire ceci sous la forme racine de 3 à la puissance 6. Et donc, si on veut, encore une fois, faire la relation entre le dernier exposant qu'on a obtenu avec les deux premiers, on peut remarquer que 6 n'est en fait que le produit de 3 et 2. Et donc, pour généraliser, prenons un nombre qui est différent de 0. Et donc, si on a A à la puissance n, le tout à la puissance n, ceci n'est autre que A à la puissance n multiplié par n. Et passons à la quatrième propriété. Alors supposons que cette fois-ci on a 1 sur la racine de 3 à la puissance 3. Alors on sait qu'un nombre, donc j'avais déjà effacé ceci, on sait qu'un nombre élevé à la puissance 0 égale à 1. Donc ce 1 peut être égal à la racine de 3 à la puissance 0, divisé par la racine de 3 à la puissance 3. Et en utilisant la deuxième propriété qu'on a vue, A à la puissance n divisé par A à la puissance m égale à A à la puissance n moins m, donc en utilisant cette propriété ici, on peut dire que ceci est égal à la racine de 3 à la puissance 0 moins 3, qui est égal à la racine de 3 à la puissance moins 3. Et donc, si je veux trouver une relation entre cet exposant et cet exposant, donc on peut dire, et on peut prendre un cas général, donc pour un A qui est différent de 0, A sur la A à la puissance n, donc 1 sur A à la puissance n, ceci peut s'écrire sous cette forme. Donc ceci va être égal à A à la puissance moins n. Et donc, généralement, si j'ai un exposant qui est négatif, je fais descendre la base au dénominateur. Alors, passons à la cinquième propriété. Alors, cette fois-ci, supposons qu'on a la racine de 3 à la puissance 3 multipliée par la racine de 2 à la puissance 3. Donc, on a deux bases qui sont différentes, mais le même exposant. Donc, ceci va être égal à la racine de 3 fois la racine de 3 fois la racine de 3, multiplié par la racine de 2, multiplié par la racine de 2, multiplié par la racine de 2. Alors, puisqu'on a un produit dont ces nombres-là sont commutatifs, donc ceci va être égal, si je veux les réarranger, donc ceci va être égal à la racine de 3 fois la racine de 2, fois la racine de 3 fois la racine de 2, fois la racine de 3, multiplié par la racine de 2. Et donc, je peux remarquer que la racine de 3 fois la racine de 2 est multipliée par elle-même 3 fois. Donc, je peux écrire ceci sous un même exposant, puisque c'est la même chose. Donc, c'est un produit qui se répète 3 fois. Donc, c'est à la puissance 3. Et donc, je peux généraliser ceci. Donc, prenons deux nombres A et B qui sont différents de 0. Donc, si on a A à la puissance n fois B à la puissance n, donc on remarque qu'ils ont deux bases différentes, mais le même exposant. Et on a un produit à l'intérieur. Donc, ceci va être égal à AB à la puissance n. Et c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris cette partie-là. Je vous invite à revoir la vidéo précédente de l'année dernière sur les puissances pour bien maîtriser les propriétés. Et merci pour votre attention.